Suède, il n'y a pas besoin de porter le masque ou d'avoir de problèmes de distanciation sociale. Il suffit de regarder l'aéroport d'Arlanda, qui est l'international, qui est vide. Et là, encore, il y a 5 clampins, tantôt il n'y avait personne. Il n'y a pas besoin de distanciation, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a personne, c'est pas compliqué. L'aéroport, pour preuve qu'il est vide et qu'il n'y a pas grand chose qui circule en ce moment, au niveau des panneaux d'affichage, pas forcément ceux qui sont ici derrière moi, mais plutôt les petites listes qu'on voit sur les côtés, on voit déjà des vols de demain. Et pourtant, il y a 2 panneaux sur 4 qui sont allumés et il n'y a qu'un. Allez, c'est rempli de 1,5 en gros. Et alors ici, ce qu'on peut voir en rouge derrière moi, c'est tous les cancellettes. Donc cancellettes, c'est... Annulé. Annulé, merci. Je parle très bien anglais. Parfaite bilingue, hein. Je sais dire aussi hej en suédois et tac. Bonjour et merci. C'est tout. Voilà le panneau d'affichage dont je discutais il y a 2 minutes. Donc il y a les vols actuels, hein. Donc... 8h55, Berlin. On va jusque demain. 8h15, Doha. C'est... Et logiquement, il y a quand même ces panneaux-là en plus. Et là, c'est juste des pubs, en fait.